Il ouvre la porte. Jade! Oh non! Oh merde, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça va, Crane. Tahir m'a donné un coup sur le crâne avant de me laisser ici. Laisse-moi une minute et tout ira bien. Ça risque de ne pas être possible, Scorpion. En fait, ces quelques minutes de sursis, tu me les dois. Crane, grâce aux antennes que tu as réparées, j'ai pu écouter tout ce que vous disiez. Comment crois-tu que je t'ai trouvé, Jade? Ou ce bon docteur Camden? Comment crois-tu que j'ai coupé les liaisons entre les secteurs? C'est moi qui tire les ficelles. Et maintenant que j'ai les notes de Zéré, le CRE n'a pas d'autre choix que de m'obéir. Vous ne me servez définitivement plus à rien, Tahir. Crane, tu as été vexé que je te traite de macaque apprivoisé ou je me trompe? Pourtant, regarde, tu danses pour nous divertir. Tu as la force pour intégrer Métro, mais il te manque le caractère. Tu vas voir, ça va te forger le caractère. Ah si, j'ai déjà le saut. Magnifique. On va l'utiliser contre... Comment il s'appelle déjà? Le premier boss. Elle est un peu fatiguée, je crois. Ça marche comme ça? Tu vas pas me dire que ça marche pas. Hop. Viens, on se barre d'ici. Le sac. Non, on peut pas prendre le sac. Jade, t'es blessé? Et est-ce qu'ils t'ont mordu? Un petit manque de sucre. Ça va. Donne-moi quelques instants. Notre petite Jade ne va pas bien du tout, Crane. Elle a été infectée il y a plusieurs heures. Que c'est noble de sa part de le cacher. J'ai été mordu à la jambe. Je voulais pas te le dire. Une fois de plus, tu es face à un choix, Crane. Ton joli scorpion est prêt de basculer. Mais toi aussi, qui va recevoir l'antizine? Qui veut sortir vivant de ces retrouvailles? C'est à toi de décider. Jade, tiens, prends-le. Non. Vas-y, j'en ai encore dans mon système. T'en as plus besoin que moi. Crane, je veux juste que tu me promettes une chose. Quand le moment sera venu, je veux que ce soit toi qui me tue. Quoi? Non. Promets-le. C'est dans pas longtemps. Jade, je peux pas. On va jouer à passer les portes. Crane, tu m'entends? Jade, où es-tu? Jade! Il
faut que tu m'écoutes, Crane. Tout droit, je crois. En fait, non. C'était à gauche. Tu m'entends? Ouais. J'imagine que ce serait à droite après. Qu'est-ce que... Jade, où es-tu? Jade? Ouais. Je sais que tu voulais essayer de me sauver. Je connais peu de personnes qui m'auraient donné ce flacon. Mais c'est trop tard maintenant. C'est trop tard pour moi. Le RP a dit que c'était trop tard. Pendant un temps, je t'ai tenu responsable de la mort d'Amir. Je voulais. C'est pas ici. Et puis, j'ai compris. L'heure d'Amir était venue. Il était temps qu'il parte. L'avion, il est où? Ici. Quelqu'un leur a dit qu'il fallait fermer la soute? Pas maintenant, non! Par pitié, pas maintenant! Nous ne vivons pas éternellement. Ne le nie pas, c'est inutile. Nous naissons et à la fin nous mourrons. On peut. Oh, pas pitié, non! Pas maintenant! Oh. Alors, papa, ici. Il y avait des enfants! Oh, merde! Ma tête! L'important est de faire que ce qui se passe entre les deux serve à quelque chose. Il paraît. Un gars de l'XP ici? Non. Crane, sauve ces gens. La vie d'Amir a servi. Maintenant, il est mort. C'est pareil pour Raïm. Si mon sacrifice permet de sauver tous les habitants d'Aran, alors il servira à quelque chose. C'est un peu trop flou là par contre. N'essaie pas de m'en empêcher, Grim. Pourquoi pas? Je suis née prématurée. Les docteurs pensaient que je n'allais pas m'en sortir. Je me suis battue, j'ai lutté, j'ai travaillé dur encore et encore. Je suis devenue une championne, le scorpion. J'ai marqué le monde de mon empreinte. Mon heure est venue, Crane. Tu ne peux pas me sauver. Tu dois me laisser me sauver. Oh, merde, compris. Ma tête! Non, s'il te plaît, non, n'oblige pas à faire ça. Oh.
Oh non, Jeanne, qu'est-ce que j'ai... Je suis désolé, je voulais pas... L'un de nous doit vivre, Kyle. N'oublie pas ta promesse. Malgré tout ça, on t'impose encore un choix. Je suis déçu, Crane. Toi, toi, et toi, allez-y, tuez-les. C'est l'heure de faire un test. Le petit rappel pour le coup de pied d'après. Elle avait une vertèbre coincée. Hey, descends-moi ce fils de pute. Du coup, tac. Ok. Ça ne fera aucune différence. T'es où? Ok, ça marche. Il est trop tard. Encore une fois. C'est la fin du monde. Pourquoi ça marche pas quand j'essaye? La lumière. Tu peux pas gagner! Tu comprends pas? Ok, j'étais trop près. Apparemment. Pourquoi ça marche? Ok, ça marche. Avec moi, ça marche pas. L'arme. Il y en a une autre, je crois, quelque part. Donc là, il y a une batte. Pioche. Cent cinquante-cinq, quatre-vingt-dix-huit, cent deux. On va devoir faire avec ça. Utiliser des kits de soins était rigolo. Hey,
Ouraïs est-il parti? Tu ne le sauras jamais. Dis-moi où il est parti! C'est pas à toi de chercher Ryze. C'est lui qui te trouvera, quand il le voudra. Cette discussion te blesse? Ne t'inquiète pas. La douleur partira très vite. Viens mourir, gamin! Ok, ça marche. Je t'attends. Allez. J'ai 100 points. Et leur arme? Ok, c'est déjà mieux, je pense. Et leur arme fait 137. Ouais, pas ouf, j'ai pas le choix. Je vais me triper. Tu vas rien faire du tout. Allez. Voilà. Loot. Regarde. C'est pour ce truc que Jade est morte. Ce sac par terre. Ryze a dû laisser tomber en voulant éviter de se faire plomber. Merde, c'est juste les échantillons de tissu. Où est l'autre paquet? Tu peux... crever. Ouais. Spécial son collier. C'est seulement amoché, pas vrai? C'est pas le genre de blessure dont on réchappe en général. Et alors? T'as qu'à me tuer? Non, je devrais pas. Je devrais te laisser souffrir. C'est tout ce que tu mérites. Ouais... Pourquoi tu le fais pas? Parce qu'il faut toujours limiter les risques au maximum. Troy, c'est Crane. Crane? Tu es vivant? Presque. Troy. Jade est morte. Oh non. Je suis désolée. Vraiment, Crane. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a sauvé. À nouveau. Elle a donné sa vie pour me sauver. Crane, tu dois encore arrêter le ministère. C'est pour ça que Jade s'est sacrifiée. Pour que tu puisses les arrêter. Sa vie est là? Il a trouvé un moyen d'envoyer un message ou pas? Oui, mais on doit absolument se voir. Il faut que je te donne un amplificateur avec lequel sa vie a pu percer le brouillage. Je t'attends dans la zone sécurisée, à mi-chemin de l'antenne sur laquelle tu devras installer l'ampli. Ok, Troy, j'y vais. S'occupe des deux qui sont ici, deux, trois. Prends leurs armes, récupère leur matériel.
Et on sort. Docteur Camden, c'est Crane. Vous me recevez? Crane, vous avancez? Vous avez trouvé Jade? Presque. Oui, je l'ai trouvé. J'ai récupéré des échantillons de tissu. Je vais vous les apporter. Mais j'ai une mission importante avant. Ok, Crane. N'oubliez pas que le temps presse. Je sais, Doc. Je vais nous donner un peu plus de temps. Par contre, on va rester là pour cet épisode. Le j'aime si vous avez aimé, l'abonnement si vous voulez en voir plus. À la prochaine.